Je suis feu, seigneur des portes du passage et du temps. Il y a plusieurs éternités de cela, le monde des humains et des elfes sombrait sous l'assaut d'entités maléfiques. En échange de leur foi en mon pouvoir, ils ont atterri dans un nouveau monde, un monde peuplé d'êtres qui ont pu accepter leurs différences. En échange de leur venue, j'ai reçu la dévotion des elfes et des hommes. Trois d'entre eux se démarquèrent. Idraïs fut choisie pour être ma prêtresse en ce monde. Elle incarnait la beauté et la douceur, les bases que j'espérais pour ce renouveau. Yagon consacrait sa vie aux arts et à la beauté. Il était éperdument amoureux d'Idraïs. Il fit de cette dernière sa muse. Enfin, Hydraos, le frère d'Hydraïs, se fit le digne représentant de la justice et de la loi, mais il n'avait aucune confiance en la sagesse des humains, ni en celle des autres, d'ailleurs. Mais très vite, Hydraos se mit à craindre l'ambition et la soif de pouvoir des humains, qui furent désastreuses pour leur ancien monde. Avec sa sœur Hydraïs, il projeta de prendre le contrôle des autres races sans mon autorisation. Yagon s'opposait à cette décision, mais persuadé par Hydraïs dont il était follement épris, il finit par accepter cette félonie. Hydraïs, qui était ma représentante sur cette terre, m'invoqua pour me duper. Et les trois futurs souverains qui se partageront le monde du croissant m'enfermèrent dans un artefact magique que Yagon garda sur lui en signe de pénitence. Soupçonnant les remords de Yagon, Hydraos le lia par un pacte enchanté, s'assurant sa fidélité et l'obligeant au secret de ses actes. Maintenant, vous connaissez l'imposture de ce monde. Je vous laisse le choix de votre destinée. La puissance de l'artefact est morte et je pars à jamais vers d'autres réalités. Mais dès maintenant, quelqu'un souhaite vous parler. Pour ma part, adieu.